Zambi malamu. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. Que l'Éternel, notre Dieu, vous comble de sa grâce et de ses bénédictions. Bien-aimés, c'est la tranche FEPACO, l'émission de l'église FEPACO Nzambe Malamu. À la présentation, c'est le révérend Bavon Mbaya. Nous saluons notre père spirituel, l'évangéliste international, le représentant légal et président des églises FEPA dans le monde, le révérend Erego Aydin, ainsi que maman Harmonie, que nous saluons. Et je signale aussi à l'église que l'homme de Dieu, en ce moment où nous parlons, il est en visite pastorale à Mbandaka, où il y a une grande église de FEPACO Nzambe Malamu. Les enfants de Dieu ont invité le représentant légal pour prêcher et prier la bénédiction pour le bien-aimé de notre province évangélique de Mbandaka. Et nous sommes en train de poursuivre avec les activités. Le représentant légal est toujours à l'œuvre. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez les extraits des images de la prédication que l'homme de Dieu aura à prêcher dans la province évangélique de Mbandaka. Du mercredi 29 au vendredi 31 janvier 2020, l'église FEPACO Nzambe Malam sera en jeûne et prière de 3 jours dans notre temple de la direction générale sur avenue Tchouapa numéro 79. Comme vous le savez, à la fin de tout le mois, l'église se réunit pour prier et laisser l'église entre les mains du Seigneur ainsi que tous les enfants de Dieu. Nous serons dans notre temple de la direction générale sur avenue Tchouapa numéro 79 du mercredi 29 au vendredi 31 janvier 2020. Le dimanche 2 février 2020, ça sera le culte de fin du mois de janvier. Comme vous le savez, au sein de l'église FEPACO Nzambe Malam, au début de tout le mois, et toute l'église se réunit à la direction générale, toutes les paroisses de la ville de Kinshasa seront fermées à partir de mardi. Et le dimanche 2 février 2020, le culte de fin du mois, pour ce mois, nous aurons 2 cultes. Le premier culte qui va commencer à partir des 6 heures, qui va réunir la zone B, le district évangélique de Lukunga et de Tchango. À partir des 6 heures, le choral commence déjà à chanter. Et le deuxième culte va commencer après le premier culte, 30 minutes après le premier culte, ça va réunir les districts évangéliques de Mohamba, Funa, ainsi que ceux de Tchouapa. Et il y aura aussi un grand atelier des pasteurs pour ce mois de février. Du 12 au 14 février 2020, il y aura un grand atelier de pasteurs avec les évangélistes. L'orateur principal, c'est notre père spirituel, l'apôtre Erego Aydin. Ça va commencer de 13h à 16h30, du 12 au 14 février 2020, dans notre temple de la direction générale, sur avenue Tchouapa numéro 79. Tous les pasteurs, tous les évangélistes sont conviés à y prendre part. À partir de 13h jusqu'à 16h30, un grand atelier des serviteurs de Dieu. Et avant que je vous montre le premier élément, l'achat terrain continue. L'église est en train de se mobiliser pour acheter la parcelle voisine de la direction générale. Comme vous êtes en train de le voir sous le bas de votre écran, et les numéros de comptes bancaires sont en train de défiler ainsi que des Orange Money et M-Pesa. Contribuez avec ce que vous avez et l'Éternel Dieu ne manquera pas à vous bénir parce que ceux qui achètent les maisons de l'Éternel ou ceux qui construisent, ils reçoivent réellement la bénédiction de la part de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, hier c'était vendredi miracle, nous étions dans notre temple de la direction générale sur avenue Tchouapa numéro 79. Si la régie est prête, elle peut nous proposer un extrait du représentant légal avant son départ pour Mbandaka et nous allons suivre l'intervention de l'homme de Dieu suivant. Nous les évangélistes, nous aimons la chaleur. Parce que la parole de Dieu, c'est le feu. Nous sommes nés dans le feu. Dans la puissance du Saint-Esprit. Il va la vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous arrivez aujourd'hui. Écoutez bien. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Verset 18. Verset 18. Mon Père, l'Éternel, mon
Souviens-toi. Si on dit de nous souvenir, c'est qu'il y a des choses qui oublient. Pas de l'œuvre seulement. Pas seulement de la bouche. Avec la
Amen. Amen. Mais si j'étais là, il y a des gens de joie. Y a-t-il des gens de joie? Écoutez bien les mecs. Si vous avez un sur le remarque, vous n'allez pas crier. Vous dites, là, c'est mon frère. Vous qui m'avez dit,
c'est pas mon esprit. Ça, c'était l'extrait du Vendredi Miracle avec l'apôtre Erego, l'évangéliste international. Et l'opération Achat Terrain, comme je vous l'ai dit, est en train de continuer. Vous êtes en train de voir sous le bas de vos écrans les numéros de compte bancaire ainsi que M-Pesa et Orange Money. Contribuez pour la grâce de Dieu, pour l'achat de notre parcelle voisine. Nous allons agrandir notre temple de la direction générale. Et je veux rentrer un peu dans l'histoire, vous proposer un extrait de l'apôtre fondateur. L'apôtre fondateur, Haïdi Nabala, c'était à Lubumbashi. Lors de la pose des premières pierres d'une concession de l'église Fepako Nzambe Malamu au quartier Kassapa. L'apôtre fondateur, c'était en plein air avec le fidèle de la paroisse de l'environnant, ces terrains-là. C'était un certain 16 juillet 1992 ou 92. Vous allez suivre, c'était en plein air et c'était pour la pose de la première pierre de la concession de l'église Fepako Nzambe Malamu au quartier Kassapa. Et avec le membre de la paroisse environnante et la prédication de Papa Alexandre Haïdi Nabala, l'apôtre fondateur de l'église Fepako Nzambe Malamu. Suivant. Ndani ya Genèse 3, mazungumizo yetu itakuwa ndani ya Genèse 3. Nous allons nous entretenir sur Genèse chapitre 3. Masoro na biso kozala kata mokana na Genèse chapitre 3. Lakini zaidi mutawanza bibi muki wakati Mungu alifanya samba yake akaweka fondation yake. Nous allons surtout lire dans le deuxième verset là où Dieu a placé son jardin. Mingi tokotanga katna et verset ami balé et pas kan inkolo abongisa ke langa na eden. Na tena Satana alifanya fondation yake vile vile pembeni ya samba ile. Et Satan aussi a posé sa fondation à côté là-bas. Satan a pembeni na fondation na moboko na Nzambe yepe atiaki na ye moboko na pale kwa chapitre 3 Genesis anasema hivi nyoka alikuwa na maarifa kulika wanyama yote. Et dans le verset et le chapitre 3 la Bible nous dit que Satan était le plus malin de tous les animaux. Mekati na verset yango tokotanga ete nyoka azalaki nyama na mayele mabe mingi koleka banyama nyoso kati langa. Na nyoka ndi Satan. Et ce serpent, c'est le symbole. Ce serpent, c'est le diable. Mpe nyoka yango nde Satan penza penza. Ana akili mingi. Il a beaucoup d'intelligence. Mpe ye azali na mayele mingi. Mungu alifanya fondation katika zarde yake. Kwa samba yake na akaweka na amri. Dieu a posé sa fondation dans le jardin d'Eden et il leur a donné une loi. Benzambe atiaki moboko na kati na elanga na Eden pe apesaki bango mobeko. Na fondation yake alitia kwa songe yote ine kama vile leo batiti na foseri bakifanya lazima batia fondation ine. Et Dieu aussi a placé ses bornes dans les quatre coins, comme le font aujourd'hui des maçons. Nzambe pe atiaki ba borne na ba coin nyonso na kat ne lang na eden, loko la bato ya titre foncé, c'est-à-dire ya division, ya cadastre ba kosalaka. Na, nilipo tembia. Et quand je me suis promené, Natango na tambolaki pali ata leo hakuna mtu anaweza kuingia ndani ya samba hili. Personne ne peut s'introduire dans ce jardin. Kobanda na tango yango kino lelo mtu moko takokoka kuingia na kati langa na Eden. Nilisema mimi nataka ingia na angalia samba ile hiki kitu gani ndani. Moi je me suis dit je voudrais entrer dans ce jardin et voir ce qu'il y a. Ngana linga na lobaki te koki na ngai te na ingela kate langa oyo mpe na tala eloko nini ezali kuna. Nilipata maandiko kubwa banaandika
j'ai trouvé des grandes écritures. Bakomi, français, anglais, kiswahili, kiarabe. Il y avait de l'anglais. Bakomi na monoko na lifalanse, mpena anglais, mpena arabu, mpena monoko na kiswahili. Hakuna mtu atakayeingia kwa samba hii. Kama akiingia, hawezi kurudi tena. Personne ne peut entrer dans ce jardin et rentrer. Mpeko mami boyete, moto moko ta kokoka, koingela nelangayo mpe na simabonga zonga na bomoi. Sasa, akati amuri ni hii. Voilà la loi qu'on y a mis. Yoka yote ne kula ile moja osiku. La loi disait ceci, il faudrait manger tous les fruits qui étaient, sauf le fruit d'un arbre. Mobeko mozalaki boyete, bokoko kakolia mbuma nyose zali katinelanga neden, kasi mbuma moko yezana katinelanga kolia yangote. Anatia amri kwa watu ya kwanza, Adamo na Eva. On a donné cette loi à nos premiers ancêtres, Adam et Eve. Be mo be komo na mo pesa makepa na bakoko na biso na kalakala Adam mpena Ewa. Na Adam vile vile aliumbwa kwa udongo ile inatoka kwa samba ya Mungu. Et Adam fut créé avec de la terre provenant de ce jardin. Be Adam akelamaki na mabele mai mautaki na elanga na Eden. Na, kama vile tunavyofanya odongo, chungu yetu ya otatisite. C'est comme nous fabriquons nos marmites, indigènes. Ezalise bongolo kole kosala kabiso mbeki ya bakoko. Alifanya kama mwana pipi, alafa akatia pumusi ndani yake, akakuwa hai. Il a fabriqué cela comme étant une poupée et il y a mis du souple. Asalaki yangolo kola mwana na popi, mpe atiaki pemba na kati na mwana na popi yangu. Mwanamke akuumbwa. La femme n'a pas été créée. Mwasi akelama kite lokola mobali. Non. Kitu nafanyia ni mwanamume tu. Celui qui a été créé, c'est l'homme seulement. Oyo bakeli mobele mobali. Nde. Anatembia nyama yote ndani ya samba hii kuko mkono ya Adam. Yeye anazungumza na banyama, anakaa na mopa jina. Alakina anakaa bila muke. Adam était seul dans le jardin. Adam. Ngo, nzambe azaliko luka kotala kati na bana le basi pe babali, kotala baoyo, banani, bakoko kakotosa lilo bana ye. Sata. Maintenant. Mina ataka jua fondation ine. Titi refosere balifanya. Mungu alifanya kwanda. Mana yake ni nini. Je m'en veux maintenant donner la signification de ces quatre bornes posées par le premier service de cadastre et en donner la signification. Nabongo, lelo na lingi ko limbo na labino, likamboyo nzambe oyo azalaki géomètre ya soro ya tiaki ba bornes na kwenyonso na lopango. Mine. Mine. Ile fondation Yesu alikuja kufanya vile vile. Ine. Jésus a fait de même avec quatre. Na bongo Yesu mpe ayaki kotia babone yango mpe mine. Yani ba journaliste ine. C'est-à-dire trois et quatre journalistes. Na bongo bakomi mine. Matayo, Marco, Luca, Johan. Voilà leur nom. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matai, Malako, Lukampe, Yohane. Ton pique est mon connu. Aide ma voix. Même dans cette parcelle, il y a quatre bornes, comme Jésus l'a fait. Pena bongo na kata lopango yo, ezalina ba bornes mine lokola Yesu pe a salaki. Haya, ndani ya kuvunja amri na kuanguka, mtu ya kwanza kuanguka ni mwanamke. Dans la violation de la loi, celui qui a été la première à tomber, c'était la femme. Kati na kobuka mobeko, moto na yambo na kokwa ndezaki mwasi, basi bolimbisa papa alobi bongo.
Ah, ba mama bananguka kwanza. Ce sont les mamans qui tombent les premières. Les alinde ba mama bakokwaka liboso. Tolisikia wala wake wanasema banazaa sisi, banazaa sisi. Alakini nyinyi ndi nani na bazaa? Elles disent toujours, c'est elles qui nous ont engendrés, mais elles, qui les a engendrés? Bon, tokoyo kaka mama bakolo babota biswe, kasi bino ba mama, nana bota kabino. Sisi, tunawaza kwanza, hapa. C'est nous qui les avons engendrés le premier. Bisonde to bota kabino batona yambo to bota nde biso to bota bino to bimisi bino nesika spéciale on a pandi. Lakini sasa maintenant kasi sasa epi wewe ukizaa mtoto si vous engendrez un enfant utamupenda hapa na penda soki ukobota mwana ukolinga yeto te bo baba Adamu anawaza kutoka kumbafu, lakini sasa mwanaanguka Adamu anahurumia, anasema mimi sitakaa peke yangu, lazima nitakufa na mke wangu pamoja. Haleluya. Adamu, c'est lui qui vous a engendré le premier et vous êtes tombé dans le péché. Il vous a pardonné et il a dit je vais mourir ensemble avec mon épouse. Adam mampona bolingo na pa na mwasi na ye. Ata kwa ki mwasi na kata mabe aloba mwasi na nga akufa ye mokote na nga na kokufa pona lingie mingi to kokufa biso nyoso mibale. Nani ana upendo zaidi? Nani aleki moninga na bolingo? Ki abo kuda mungu. Adam. Adam amuitikaka. Nana reki mandinga na bolingo e. Ah, bino ba mama bondi makate. Tona wapenda. Nous aimons beaucoup. Tolingi bino mingi. Alleluia. Amen. Haya sasa mwenye samba, mwenye kutia fandasio, anakuja, anazoea, kuzungumiza na watoto yake wawili ya kwanza. Alors, celui qui a créé ce jardin, qui a posé les quatre bornes, venez chaque fois le soir pour causer avec ses enfants. Mpe oyo abongisa kelanga yango azalaki koya po kwa iso koyaka kotala bana oyo ya kelaki. Anazoea kuzungumize na wao. Il avait l'habitude de causer avec eux. Azalaki na momeseno koyaka po na kosololaka na bana. Baba aliyo kuumba anakupenda sana. Le père qui t'a créé t'aime beaucoup. Tatoyo akelaki yo molingami alingi yo mingi. Wapi Adamu? Adamu wetu. Adama, ozali wapi? Eva, weku wapi? Eve, wetu. Ewa, ozali wapi? Balikuza kula matunda, bana anguka zambini, bana kimbia kwa samba. Ils avaient déjà mangé du fruit défendu et ils sont parti du jardin pour aller se cacher. Basila kikolia mbuma na elanga mpeba kima kimbangu musika pona komibomba. Wapi utekimbia usu ya Mungu? Wapi? Bali gani? Où est-ce que vous irez? Loin de la face du Seigneur. Epa gani yoko kima elongi na nzambe pio komibomba? Wapi? Mungu aliweka fondation ya kidiwe kubwa pale kosamba. Dieu avait posé sa fondation, la première pierre, dans le jardin. Zambe atiaki moboko na emunene libanga kuna na elanga. Adamu na Eva banakimbia banafichama chini ya ile jiwe. Adam et Eve sont allés se cacher sous cette pierre. Adama na Eva bakendeki oseya libanga li na mpe babomba maki. Où est-ce que vous allez vous cacher? Où est-ce que vous allez vous cacher? Peyo komi bomba nesika nini? Mawe hii kusatia hapa. Ata fululua siri yako. La pierre qui sera posée là-bas va révéler vos iniquités. Libanga kotia ma awa eko bimisa makanisi mayo. Oye ba kotia awa. Celle qu'on va poser. Sasa Adamu wanakonda fitama chini ya ile jiwe.
Adam et Ève sont allés se cacher en dessous de cette pierre. Adam na ewa bakendeki komi bomba na se na libangalina. Mungu anasema Adam weko wapi? Dieu a demandé à Adam où il était. Nzambe atunaki Adam ozali wapi? Mota tu. Alitema mota mbaba. Il a posé une seule question. Atunaki bobele mutuna moko. Wapi Adam weko wapi? Adam où es-tu? Adam, ozali wapi? Miti anasema wapi Adam we? Même le peuple se sont demandé où était Adam. Benzete bongo bandako loba Adam ozali wapi? Matiti anasema wapi Adam we kuwa? Même les verbes ont demandé où était Adam. Mama titi peba bandako loba Adam ozali wapi? Adam ozali wapi? Na hiwa anawanda kusema kila pali wapi Adamu, wapi Adamu. Otoko la Adamba. Adamba. Même l'air, même la terre demandait où était Adam. Mabele, zete, nini, ndeke, nini. Soba kendeko mibomba na sena yango. Adamu, ba hiku na hita we. We na fitama wapi. Adamu, bazeko benga yo. Bola miyomo. La terre lui a dit Adam, on te cherche, où est-ce que tu es ici? Toka kwenda kule. Va-t'en d'ici, allez le prendre. Kende kuna. Adam a l'écoute va à Madani. Adam s'était revêtu des herbes. Adam a l'attaqué ma titi, à Mizipi. Ma titi a reçu. Ouais, la femme, Mimi. Voilà, couille, ça va. Et le feu lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? On t'appelle. Ma titi, mon talati, le col est là-bas. Hein? Yoza, tingai. Bata kupenga, yo kende, ozo salanina. Twende. Allons. Tokende. Écoutez. Oka. Écoutez. Banyama. Ile. Balikusa. Adam wiku na mupa wa utila. Ana wakulisa. Balikuwa rafiki Adam. Sasa manawanda kotokea na Adam. Les animaux qui étaient amis d'Adam et à qui auquel il avait donné le nom se sont révélés contre lui. Oka sasapi. Banyamo yo Adam. Apesa kikombo. Baye bazalaki on baninga na Adam. Batelemele Adam, batombo kele Adam. Makaku nasema, machumu, machumu, machumu. Ame kimbia na kele. Et le singe disait, pêcheur, pêcheur, pêcheur. Et il s'en va. Makaku alo, machumu, machumu. Asote nandete, machumu, akena machumu, machumu. Tembo, anasema, matolo machumu, mimi apana weza kapama. Anakonda pori. Et l'éléphant qui dit Adam, vous êtes pêcheur, je ne peux pas cohabiter avec vous. Oyo, Nzoku, Atelemalo, Motona Masumu, Notamu, Natale, Ami Akena Zamba. Ok, écoute, on va mettre un fou, on va piga, wewe. Ouais, Moutou et Masumu, Anatoroka. Et si vous venez ici, je veux vous dévorer. Soki Boko Yawa, Nako Bukayo, Motona Masumu. Là, vous venez de suivre l'extrait de la prédication de l'apôtre fondateur, Papa Alexandre Aïdinabala. C'était en plein air, pose de la première pierre d'une concession que l'église Fepako Katanga avait achetée. Nous allons rentrer encore dans l'histoire. C'était le culte d'action des grâces lors du cinquantenaire de l'église Fepako Nzambe Malamu. C'était au stade Tata Raphaël le 6 août 2017. Il y avait une grande ambiance lors de ce culte et je veux prendre un extrait de l'intervention de maman Enviko Ewada Hélène. Et elle avait parlé sur papa Alexandre Aïdinabala ainsi que comment l'évangile est entré au Congo. En bref, parce qu'elle avait parlé en long et en large lors de la conférence à la salle Algarve. Et au stade, c'était un extrait que je vais vous proposer, comment maman Enviko Ewada Hélène avait parlé sur papa Alexandre Aïdine ainsi que sur l'origine de l'église Fepako Nzambe Malamu. Suivons. Celui qui a une place peut se mettre, je voudrais parler brièvement. Moi, je suis ravi de joie de voir nos bien-aimés venir se rassembler avec nous dans ce stade. Je reçois tout le monde dans le nom de Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu.
Et ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Et ceux qui avaient régressé dans la foi. Tous, je vous reçois dans le nom précieux de Jésus. Revenez en Jésus-Christ. Venez en Jésus. Parce que Dieu est bon. Cette bonne nouvelle avait commencé seulement avec deux personnes. Nous nous sommes mis sur le rond-point des Ulélis. Papa disait Alléluia, moi je répondais Amen. En ce moment, nous avons qu'un seul enfant. Notre Yanana qui venait de défiler ici. C'est vrai, notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Il y avait beaucoup de combats. Tu ne pouvais pas te tenir à l'extérieur et dire Alléluia. Si tu cries Alléluia, on commence à t'injurier. Maintenant, si vous dites Alléluia, tout le monde dit Amen. Bien-aimé, la bonne nouvelle d'aujourd'hui n'est pas difficile comme quand nous avons commencé. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, quand vous mettez de vous prêcher, les gens se convertissent. Quand nous sommes venus, on n'avait pas un endroit où on pouvait s'abriter. Un frère nous avait donné une petite maisonnette. Papa, on a zala kipe mundimite, ma wana nzambe, ekota kikati na epana koyamba. Et ce papa n'était pas même chrétien, mais la compassion de Dieu était entrée en lui. Mwana na biso wana liboso, azala kila pusa koliate, azala koliate. Soko lambili ya potapoto kaka pamba boye, oti mungwa alena ye. Notre fille aînée, elle ne mangeait pas beaucoup. Quand vous préparez la bouillie, il n'y a pas de sucre. Avec du sel, elle mangeait. Mais dans les pensées humaines, on se disait que l'enfant était malade parce qu'elle refuse de manger. Et pourtant, Dieu avait préparé cet enfant pour la bonne nouvelle, pour qu'elle ne souffre pas. Et Dieu a fait les prodiges. Même si de plusieurs fois on emprisonnait papa, il dit Nabala, il disait je ne vais pas abandonner. Si vous allez me tuer, tuez-moi. S'il passe la nuit dans le cachot, on le fait sortir, il commence à prêcher, convertissez-vous. Il dit, quelle sorte d'un homme. On disait de lui qu'il a les mauvais esprits. Il dit, je n'ai pas les mauvais esprits, je vous prêche pour que vous puissiez vous convertir. Et après cela, les gens commençaient à se convertir et faire sortir leurs fétiches. Les gens venaient toutes les nuits. Le bailleur s'était dit, quelle sorte de locataire les gens viennent nombrer qu'ils quittent ma maison. Qu'ils quittent ma maison. Et on l'avait délogé de sa maison. Et on revenait du culte le soir. Bien-aimés, surtout vous les femmes, ayez le cœur dur pour en dire dans la bonne nouvelle de croire en Seigneur Jésus. Si vous croyez en Dieu, même dans des difficultés, Dieu vous soutiendra. Toutes les femmes qui sont là, qui sont en train de déambuler spirituellement, croyez en Jésus, servez-le. Parce que je commençais aussi comme vous. J'avais en dire, je me suis converti,
je t'ai pris en mariage, j'ai servi Dieu et je continue. La bonne nouvelle est en train d'avancer. Je vous dis sincèrement, Dieu est vivant. Croyez en Dieu et n'abandonnez pas. Il va faire le prodige en vous. Il vous protégera. Il sera votre Dieu. Enlevez toutes les mauvaises pratiques en vous. Si vous croyez en Dieu, croyez seulement en lui. C'est le temps favorable pour nous parce que nous sommes nombreux. Si tous nous allons évangéliser, il y aura plus de païens en grand nombre. Déclarez et dire à vos prochains et il y aura plusieurs chrétiens. Je demande à tout le monde d'être évangéliste. Comme il déclare dans Matthieu chapitre 12, verset 7. Matthieu chapitre 12, verset 7. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, 7e verset. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Mokanda na matai, mokapo ya zomi na mibale, zela ya sambo. Soko boye bakiti na na oyo ete. Chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matai, mokapo ya zomi, zela ya sambo. Wane kokenda bino, bosa kola ete, bokonjina likolo e jali kobelema. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, 7e verset. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia! Ça, ce ne dit pas que vous êtes entré dans le cours biblique. Il ne vous a pas dit qu'il faut d'abord entrer dans la théologie avant de prêcher. Dites seulement que convertissez-vous, la bonne nouvelle du royaume des cieux est venue. Convertissez-vous et abandonnez le péché. Dieu vous aime. C'est seulement dire cela. Ce n'est pas avoir la honte. Ce n'est pas dire qu'il faut encore faire la théologie avant de prêcher. Et il est donné à tout le monde de prêcher. Dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Verset 8. Lisez le verset 8. Nous lisons le 8e verset. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Zela Yamwambe. Bobi kisa babeli. Bose kisa bakufi. Bopeto la batonambala. Bobi kisa milimo mabe. Bozui na lisombite. Bopesa na lifutite. Amen. Alléluia. Awa balubite, bokende, bobiki sabato na malali. Ici, on nous recommande d'aller guérir le malade. Bobinga na milima be katina bato. Chasser le mauvais esprit dans les gens. Bobiki sa, bopete la bato na mbala. Purifier les lépreux, guérissez le malade. Yango balubite, bapesi pina pamba.
Il est écrit, on vous a donné gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Il ne faut pas exiger qu'on vous paye. Là où vous partez, prêchez seulement la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour aller demander l'argent. Celui qui croira sera sauvé. Vous allez ressusciter même cela est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Cela ne fait exception de personne. Vous n'êtes pas de petit. On ne dit pas que vous n'avez pas étudié. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il dit donner gratuitement. Pas avec exigence de salaire. Aujourd'hui, la bonne nouvelle a le salaire. Vous voulez imposer les mains aux malades, vous exigez qu'on vous paye. Est-ce que c'est vous qui guérissez ou c'est Dieu qui guérit? Si Dieu guérit, si c'est Dieu qui guérit, abandonnez de demander l'argent. Parce que Dieu guérit gratuitement. Il vous a guéri gratuitement. Il vous donne aussi le don de guérir gratuitement. Il faudrait que vous puissiez donner aussi aux gens gratuitement. Les gens disent que c'est Dieu qui a agi. L'homme témoigne que c'est Jésus qui m'a guéri. Bien-aimé, cette bonne nouvelle a commencé avec une seule personne. Aujourd'hui, voici, il y a plusieurs personnes. Vous aussi, ne fermez pas la bouche, prêchez. Cela est donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour merveilleux. Il y a 50 ans que la bonne nouvelle est entrée au Congo. Je vous dis qu'au début, c'était difficile. Des arrestations, des intimidations. Aujourd'hui, on n'arrête plus la nouvelle. Aujourd'hui, quand vous allez prêcher, il n'y a pas de militaires qui vous arrêtent parce que vous prêchez la bonne nouvelle. Nous avons des bénédictions et des bénédictions. Ne gardez plus silence, que nos pieds puissent monter l'escalier dans la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle nous est donnée pour que nous puissions évangéliser le monde. Ça, c'est une grande joie. Tout celui qui avait régressé, tout celui qui s'était rébellé de l'Église, qui veut retourner, nous l'accueillons dans le nom de Jésus. Celui qui veut aussi se convertir, recevoir Jésus, venez, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Venez, vous tous qui voulez recevoir Jésus. Bien-aimés, ça c'était l'extrait au stade Tata Raphaël, au culte d'action des grâces, le 6 août 2017, avec maman Anviko Ewada Hélène. Comme vous le savez à la télé, l'heure c'est l'heure. Suivez cette émission tous les samedis à la RTVS 1 à 16h05. Et la rediffusion se tout le mercredi à 16h05, toujours à la RTVS 1. Et abonnez-vous sur notre page YouTube FEPACO TV. Abonnez-vous sur notre page et vous allez suivre Tranche FEPACO ainsi que toutes les activités au sein de l'église FEPACO Nzambe Malamu. La semaine prochaine, nous allons vous présenter les images du représentant légal Ambandaka. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nzambi mal